this, my guy. Come on, la. I scratched my first my car. Well. Ah, en plus, un bel scratch en plus, là. Non? So, B, voilà pour toi, nouvelle conductrice. Toi, t'es chanceuse, hein? Nouvelle conductrice sur la route. Ton deuxième moto. D'ailleurs, B, il faut que j'aille chez Walmart m'acheter du Got to Be Glue, because tu vois, ma wig, elle est même pas collée. Elle est pas collée, là. Regarde. Parce que j'en ai plus. Alors, je suis allée avec la voiture, je vais pas scratch. Things happen. Parce qu'ils le disent, tu sais, quand t'as des émotions, que tu sois triste, fâché, excité, il faut pas conduire. Il y a plus de risques d'accident. Ah ouais? Ouais, là, j'étais trop excitée, wesh. Là, t'es trop excitée d'avoir ton nouvel auto. Mais pour vrai, c'est pas si pire la scratch, guys. Ok, là, je vais le réparer. Quand il y aura plus de scratch, je vais pas aller le réparer juste pour ça, là. On va attendre qu'il y ait d'autres scratch. Tu planifies à faire d'autres scratch. Mais je m'en vais au Walmart for real, babe. J'ai besoin du Got to Be Real Talk. So, je vais aller chercher ma sacoche. Ma tough little girl. Yes. Alors bonjour les filles, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors bonjour les filles et les gars, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors mon nom c'est Moïka, pour les nouveaux ici, et je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer une vidéo de moi. Hello Lulu, tu l'as dit, tu as quel âge maintenant? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré, hein? Alors aujourd'hui guys, comme vous l'avez vu sur le titre, je vous viens avec un daily vlog, donc un petit vlog aujourd'hui. Alors on va aller à la plage avec mon ami, avec ses enfants et tout, ça va être vraiment fun. On s'en va à la plage de Saint-Gabriel-de-Beaumont. C'est elle justement qui m'avait parlé de cette plage là. La dernière fois qu'on avait été, c'est comme... il y a au moins un an et demi si je me trompe pas. Donc Reggie et les enfants sont partis chez Walmart. Moi je suis restée à la maison juste pour me préparer et you know, get stuff situated. Il y a beaucoup de vaisselle du déjeuner qu'on a fait ce matin, donc je voudrais comme clean up parce que je déteste sortir de la maison, surtout pour comme une longue période, et que c'est, je sais que quand je pars la maison est dégueu, parce que quand on revient on est quatre fois plus fatigué parce qu'on a fait une activité, et après ça tu rentres à la maison, mais là tu dois aller prendre leur bain, préparer la routine du soir, mais t'es dans un bordel, comme non, je suis pas capable. Que regardez ça, oui. Et puis ça c'est la vaisselle. Oh ouais, regardez-moi ça. Donc je vais faire le gros ménage de tout ça. Sinon le couloir quand même du salon est correct. Mais le salon est vraiment correct parce qu'honnêtement je fais toujours les enfants m'aider à ranger. Vous avez vu ce meuble par exemple? Catastrophe. On n'a aucune idée comment ça s'est passé. Et puis tout ce qui était dessus ont tombé, donc ils ont même endommagé notre belle statuette. Vous avez vu comment ça brisait? C'était pire. Riley avait plus de pieds. Reggie avait plus de tête. Mais on a acheté la colle de Gorilla quelque chose, et puis on a été en mesure de nous recoller. C'est du travail là de pouvoir recopier une photo identiquement là. Donc c'est la copie de cette photo là. Donc dans le salon j'ai vraiment pas grand chose à faire. Il va juste me rester à ranger les jouets des enfants dans leur salle de jeu, pousser le pouf ici. La table, peut-être passer un linge. Pas peut-être, je vais passer un linge. Bon, j'ai été prendre mon trépied pour vous finir de faire le blabla habituel d'un début de vlog. J'aime bien faire ça parce qu'au moins ça vous montre, ok, ce que je vais voir dans le vlog. Je peux vous donner des updates. So... sur leur site, j'ai réalisé que en fait cette plage est une plage que des fois il y a des algues bleues. Et des algues bleues, c'est des algues qui sont extrêmement mortelles pour l'être humain. Donc il y a certains moments que la plage est fermée. Mais à quel point ils savent quand qu'il y en a? Genre je veux dire, si demain, aujourd'hui ils sont ouverts, ok, right? Ils se disent, oh ben il y en a pas, parce que peut-être qu'ils font une expectation au début de la journée, ou je sais pas comment ils fonctionnent. Mais comment ils peuvent être sûrs que pendant que nous... Hey, tout mieux! Comment ils peuvent... Tiens, vas-y, tu peux jouer avec. Mais enlève-toi de là. Allez! Il reste exactement à côté du trépied. Donc ouais, alors comment moi je vais peut-être être en train de patauger dans la plage et tout, dans l'eau de la mer et tout, de la rivière, du lac, peu importe. Et puis là il y a un algue bleu qui vient, genre je sais pas, moi ça m'a traumatisé. Mais bon, on a déjà été l'année passée, j'avais jamais vu ça, donc j'étais dans l'eau puis je pensais pas à ça. Mais moi je suis quelqu'un, si je sais quelque chose, on dirait que je vais paranoïer. C'est la seule chose que je trouve un peu comme sketch. Si vous travaillez dans des plages et tout, ou que vous connaissez par rapport à ça, là, commentez en barre d'infos, puis expliquez un petit peu comment il fonctionne. Comment une plage qui a un animal marin, comme, ou une plante marin, si je peux dire, nocif pour l'être humain, comment ils font pour éviter, pour savoir qu'il n'y en a pas, ou qu'ils ne sont pas en chemin? Est-ce que c'est qu'ils les coupent, puis là, ils sont en train de pousser tranquillement?
Aucune idée, guys. Aucune idée. Et j'ai eu des super belles paires de souliers ballerines que j'ai vraiment hâte de vous montrer. J'ai pas encore ouvert le colis. Donc, un gros merci à cette compagnie de m'avoir envoyé cette belle paire de ballerines. Donc, on ouvre le colis à l'instant. Donc la compagnie Vivaya ont été très gentils de m'envoyer deux paires de leurs souliers. C'est une compagnie éco-responsable. Dans le fond, c'est malade ce qu'ils font. Écoutez bien. Donc tous leurs souliers sont faits avec des matières recyclées, dont les bouteilles d'eau. Donc en gros, ils vont aller chercher toutes les bouteilles d'eau qui sont jetées dans la mer, que ce soit par des bateaux, par des gens qui passent par là. Ils vont les prendre, ils vont faire ce qu'ils font pour être en mesure de créer une paire de souliers et tout en gardant le style super fashion. Vous allez voir là, leurs souliers sont vraiment au goût du jour et ils ont une variété de couleurs vraiment pastel. Donc pour chaque paire de souliers, dites-vous qu'ils ont dû réincarner 6 bouteilles en plastique. Donc c'est tellement bien. Dans le monde qu'on vit, là, c'est important. D'année en année, c'est juste des mauvaises nouvelles qu'on entend concernant notre planète. Donc moi, là, j'encourage vraiment les entreprises qui sont éco-responsables. Donc ce modèle à l'écran est de la collection Aria, couleur expresso. Là, j'adore cette couleur. Ça va avec tout, vraiment dans mon style nude, neutral. J'aime beaucoup leur petit logo, là, vous le voyez sur le côté. La semelle est ferme, tu sens pas que tes pieds vont être coincés et que ça va sentir le pied d'athlète. Ce sont des souliers que vous pouvez porter pour aller travailler au bureau, que ce soit dans le quotidien, pour une séance photo. C'est vraiment juste des paires de souliers qui sont vraiment comme malléables un peu pour tout. Donc la deuxième paire que j'ai choisie est de la collection Macy et je l'ai pris dans la couleur noire, of course. J'avais besoin d'une paire de souliers noirs et c'est vraiment un autre modèle. La texture est totalement différente. Là, je pense que vous pouvez le voir. Là, c'est vraiment comme ligné, vraiment classique. Ça, c'est le genre de souliers que je vais pouvoir même porter en fait pour aller manger avec Reggie ou juste pour une soirée chic, pour aller à l'église. Également, ils ont une garantie de 30 jours si jamais vous voulez échanger parce que c'est pas la bonne taille, changer de couleur. Ou que peu importe la raison, ben vous avez 30 jours de garantie. On adore. Donc, je vous les recommande à 100%. Au moment que vous voyez la vidéo, dites-vous que je les ai depuis déjà 2 semaines et je suis vraiment, mais vraiment satisfaite. Je vais définitivement retourner sur leur site acheter d'autres paires. Et aussi, chacune des paires de souliers, en fait, sont résistants à l'odeur, comme je vous ai dit, antibactériens. Anti-fulgural aussi, donc ça permet que le soulier ne sortira pas mauvais ou que la semelle ne deviendra pas comme noire. Je ne sais pas si vous avez déjà porté des sandales ou des ballerines et qu'à la fin on voit notre empreinte en bas du soulier, donc ça n'arrivera pas avec ces souliers-là. Et également, si jamais vous portez ces souliers-là et que vous êtes dans la pluie, dites-vous que ça absorbe. Le soulier absorbe, donc le soulier ne va pas... En fait, vous n'allez pas sentir vos pieds mouillés. C'est vraiment le soulier qui va absorber l'eau. Et ça ne va pas changer non plus au niveau du poids du soulier. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment une bonne qualité de soulier. Donc, comme toujours, je vous laisse les liens en barre d'infos des deux modèles que j'ai sélectionnés ainsi que mon code promo pour définitivement vous faire sauver des sous lors de vos achats. Vous êtes content d'aller à la plage? Oui. Coco, papa, ouais. Tout ça? Oui, il y a un big truck. Un truck? Ben oui, un gros camion, hein? Il est gros. On est dans la balle, et nous, on est ici. Il y en a un autre là-bas, qui est là-bas? Oui. Ben oui, il y en a plein de camions. Bon, guys,
la plage qu'on était supposé aller, elle qu'on a été l'année passée, malheureusement, il y a des algues bleues, comme je vous avais parlé. Puis je suis contente au moins qu'ils sont au courant. Je pense que dans le fond, avant qu'ils ouvrent, ils vont dans l'eau pour vérifier, right? Parce que ça me stressait. Ils le voient. Ah, ok. Ils testent pendant 10 km. Donc là, on s'en va dans une autre plage à 40 minutes, puis on vient de rouler 1h30 de route. Les enfants étaient vraiment tristes parce qu'ils ne comprenaient pas, en fait. J'ai dû vraiment bien expliquer à Riley, on y va, mais on va à quelque part d'autre. Là, on suit notre ami. Puis on s'en va. Là, c'est à une place Saint-Alexis des Lions. It's Richard on the beat. Donc on est arrivé. Oui, il a toujours marché, c'est que quand je bouge ça, je peux pas me voir. Donc c'est vraiment une belle plage, c'est full cozy. On paye 5$ pour le stationnement, puis on peut faire ce qu'on veut ici. C'est vraiment nice. C'est malade. On a vraiment un bon spot en plus là. Je vous laisserai l'adresse. Donc on est là depuis déjà au moins 3 heures. Papa! Papa, il est dans l'eau. Ici, là-bas. Bon, gars, je sais que c'est très rare que je filme avec mes lunettes, mais je viens de me réveiller, j'ai juste brossé mes dents et tout, fait ma petite morning routine, self-care, you know.
Et puis en fait on est le lendemain. Alors voilà, donc ensuite on est rentré à la maison. Et comme je vous dis, on était crevés. Je veux dire, on est rentré, on s'occupait des enfants. On pouvait même pas s'occuper de nous-mêmes. J'ai plein de piqûres de maringouin. On était fatigués, donc j'ai pas fermé le vlog. Puis j'aime bien fermer le vlog, you know, pour vous dire merci d'avoir écouté cette vidéo surtout. Puis voilà, surtout si vous êtes parents, vous savez c'est quoi aller à la plage avec des enfants et de rentrer à la maison après. On est tellement épuisés parce que, bref, nous autres quand on va à la plage, on reste pendant, on est resté comme toute la journée limite. Et puis c'était quand même 2 heures de route étant donné qu'on a été à une autre plage finalement. Donc oui, donc je voulais terminer le vlog en bonne et due forme. Alors un grand merci d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Deuces.